Eh bien, salut tout le monde, c'est DevilGamer. Aujourd'hui, on se retrouve sur Diablo 3 pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer vraiment la vidéo, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse et m'excuser auprès de quelques abonnés qui auraient vu ma vidéo sur Black Ops 2 et qui auraient posté certains commentaires. Donc, je m'excuse auprès de deux abonnés en particulier. J'étais presque persuadé que j'avais le droit d'utiliser ce gameplay. Je savais pas vraiment, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Donc voilà, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc on est sur Diablo 3 pour une vidéo de détente en quelque sorte, et puis histoire de changer un petit peu de DayZ et puis tous les autres jeux. Justement, ça va très bien changer à mon avis, parce que ce genre de jeu je fais jamais en vidéo, que ce soit des MMORPG classiques ou du Diablo 3. J'ai jamais fait en vidéo et puis je l'ai eu il y a pas très longtemps, donc j'ai créé un féticheur niveau 23. C'est le seul personnage que j'ai pour l'instant, le seul personnage que j'ai testé même. Donc on va tout de suite lancer une partie publique. Hop, on va prendre la dernière quête à laquelle je suis et puis on va lancer une partie publique. Je baisse juste un petit peu le son. Alors je voulais ouvrir une autre parenthèse en vitesse. C'est qu'une nouvelle chaîne communautaire vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, je voulais leur faire un petit coup de pub et puis voilà, je leur propose cette vidéo. Donc déjà je les remercie s'ils acceptent cette vidéo. Et donc voilà, je voulais leur faire un petit coup de pub. Donc c'est une chaîne communautaire qui est réservée 100% aux joueurs PC. Donc si vous êtes joueur PC ou si vous aimez ce genre de chaîne communautaire, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne et à leur envoyer des vidéos. En tout cas, c'est une chaîne qui me plaît beaucoup et je pense que c'est une chaîne qui a un bon avenir. Qui a un bon avenir sur YouTube tout simplement. Donc voilà, parenthèse fermée. Et puis là, on va vraiment... Oh le vilain Cupide. Quel honneur j'ai eu ce au fait. Artisan. On va aller vite fait... Ouais, ouais, non, en fait, c'est bon, j'ai compris le truc. Hop, retour au jeu. Voilà, let's go. Balise de sinus. Attends, écoutez, on va quand même... quitter la partie, excusez-moi. Et on va lancer une partie en solo. Jouer, voilà. Voilà, jouer et on va ouvrir la partie au public. Voilà, comme ça, si des joueurs veulent me rejoindre, bah ils peuvent. Comme ça, je vais commencer un petit peu tout seul parce que je suis que à la première quête de l'acte 3. Donc voilà. Alors, je m'excuse aussi d'avance pour les clics de souris, vous devez quand même bien les entendre, mais j'ai essayé de faire. Oh, c'est des ennemis. Faut que j'invoque mon zombie. Attendez, j'ai pas mes bonnes touches en fait, la merde. J'ai oublié de changer les touches de mon clavier. Bon, c'est pas très grave, je les connais un petit peu les touches par défaut. Voilà, mourez. Voilà. Alors, attendez, balise de signalisation allumée. Ah oui, d'accord. Voilà, bah ça a été vite. Bon, en même temps, j'avais des gardes pour m'aider, mais bon. C'est parti, on va dans les remparts et il faut en allumer 5. J'espère qu'elles sont tous au même endroit. On a vu le feu de loin, il faut allumer les autres, mais ça grouille de démons tout autour. Ouais, d'accord, j'ai compris le truc. Ouh là là. Il y a du monde. Je me fais frapper. Voilà. Oh, j'ai encore du mal, hein. Je suis pas un expert de Diablo 3, hein. Franchement, je l'ai eu il y a pas très longtemps, c'est mon premier personnage sur ce jeu. J'ai jamais touché un Diablo de toute ma vie, donc voilà, si je fais un petit peu de la merde, vous pouvez m'excuser. Pour ceux qui s'y connaissent dans Diablo 3 ou pour ceux qui y jouent tout simplement, n'hésitez pas à me donner quelques conseils dans les commentaires de la vidéo, parce que franchement, c'est pas ça encore. Hein. Alors, hop, voilà. J'ai encore plein de trucs à découvrir de ce jeu. Ah, je me fais attaquer. Voilà. Bon, féticheur, c'est une classe que franchement j'adore. Hein. Sinon, j'aurais déjà créé une autre classe. Mais là, franchement, j'adore cette classe. Et par contre, c'est une classe qui fait énormément de dégâts. Mais dès que je me prends des coups, et ben, ça fait aussi assez mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Ouf! Faut que je baisse encore un petit peu le son, moi. Une
N'hésitez pas aussi à me poser des questions ou à me demander ou à me donner votre avis déjà sur la vidéo. Et si vous voulez jouer avec moi, C4 sur Diablo 3, n'hésitez pas à me demander surtout. Alors je voulais vite fait ouvrir une autre parenthèse. Donc vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur DayZ avec des potes, etc. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé pour jouer avec moi sur DayZ. Je les ai en potes sur Skype, mais pourtant on a quand même jamais joué ensemble. Par contre, des ennemis plus puissants qui viennent là. Ah, mais normalement j'avais un Templier avec moi, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, faut que je me tire d'ici, moi. Ouh, je vais pas faire long feu, j'ai l'impression. Meurs. Ah, ils me font mal, ces enfoirés, en plus. Il est où, mon zombie? Ah, il est là. Oh, ça va, je les gère encore. Oui, donc je disais, j'ai plein d'amis que j'ai accès, enfin plein d'abonnés déjà en priorité, ouais, bon, qui sont devenus amis par après sur Skype, mais j'ai jamais joué avec eux sur DayZ. Mais un de ces quatre, je vais 26. Ouais, non, ça vaut pas le coup, ça augmente l'intelligence. Ah, attendez. Ouais, non, l'autre est un peu mieux. C'est un peu plus pour ma classe, en fait, l'autre. Oui, donc voilà, je les ai en amis sur Skype. J'ai jamais joué avec eux. Et je pense, un de ces quatre, organiser une conversation Skype. Et puis tous ceux qui voudront jouer à DayZ avec moi, ils vont jouer ensemble. Ouh là là, il y a des méchants qui arrivent par derrière. Hop, prends ça, toi. Alors mon attaque principale, c'est des crânes de feu que je balance un petit peu. Ouh là là, il se fait attaquer, lui. Voilà. Ouh, c'est la guerre dehors. Ouf. Alors attendez, je vais vite faire... Non, je vais pas aller en fait. Je vais tout de suite aller les attaquer, eux. À mon avis, y a rien en haut. Ouais, bon, ça va, mon zombie il est vachement résistant et en plus il est plutôt puissant, quoi, il fait bobo. Je suis pressé qu'il y ait du multijoueur sur ce jeu, franchement ça va être cool. Enfin du multijoueur, on comprend, du PVP plutôt. Faut que j'arrête de raconter n'importe quoi, moi. Oh putain, il s'est fait buter. Je vais le réinvoquer. Mourez. Ah bah je suis bientôt niveau 24. C'est bon à savoir, ça aussi. Allez hop. Par contre, oh putain, non, je prends cher en fait, j'ai pas calé. Et aussi autre chose, j'ai oublié de mettre mon chrono. Donc ça fait que je sais pas combien de temps de vidéo je suis. Je sais pas si je vais faire une vidéo trop longue ou pas. De toute façon, comme d'habitude, si c'est trop long, merde. Si c'est trop long, je coupe la vidéo en plusieurs morceaux, c'est pas très grave. Dextérité, oh, je sais pas si je prends, ça fait plus de dégâts mais il y a moins d'améliorations. Et moi ce que je recherche sur les armes c'est les améliorations, les dégâts j'en ai rien à battre. Vu que je frappe jamais au corps à corps, de toute façon je m'en fous un petit peu. Je me demande s'il y a des bâtons dans le jeu, je sais même pas. Alors là, bon je passe par là, je sais même pas si c'est par là ou quoi. Ah si, c'est par là. Yeah, ah, je fonce dans le tas, je suis malade. Par contre, parfois je me soigne, je sais même pas comment je fais, hein, franchement. C'est quoi ce machin là-bas? Ah, c'est un truc à buter. Attendez, je vais y aller en vitesse. Meurs! Ouais, c'est un mec qui appelle des renforts, je pense, ou je sais pas trop. Ouais, porte en fer démoniaque, ah oui. Dégage! Allez, meurs. Il me saoule à appeler des renforts, lui. Ah, c'est bon, j'ai allumé le feu, c'est aussi bueno ça. Voilà, bah c'est nickel. Je vais continuer un petit peu. Ah bah je peux descendre par ici. A mon avis on va pas tout faire ensemble. Ou à moi, comme je l'ai dit, je la coupe en plusieurs morceaux. Ou alors je le plot d'un coup sur ma chaîne. Ça pourrait être pas mal, mais le problème c'est pour la chaîne communautaire. Je veux pas non plus qu'ils aient trop de mal à télécharger ma vidéo et à le plot, quoi. Bon bref, on verra bien. Si la vidéo dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas très grave, je pense.
Bon, je suis un petit peu moins à fond dans le commentary, mais c'est vrai qu'en plein combat, c'est assez chaud de commenter, surtout sur Diablo 3, quoi. Meurs. J'adore mes nouvelles attaques. Par contre, là, je prends pas mal de dégâts. Bah voilà. Ah non, il y en a encore. J'ai rien dit. À mon avis, à la fin de la vidéo, vous en aurez marre des clics de souris. Tellement marre que vous allez encore en entendre, même quand la vidéo sera terminée. Bon, j'avoue que c'est chiant pendant une vidéo d'entendre les clics tout le temps, mais j'ai rien pu faire. En plus, ma souris, elle fait énormément de bruit. Ah bah, c'est par là. Il y en a combien à activer? 5. Je sais pas si on va pouvoir tous les faire. Mais comme je vous l'ai dit, je vais la couper en plusieurs parties, à mon avis. J'espère que ça dérangera pas la play on PC d'upload plusieurs parties un peu plus tard, quoi. Ouh, je prends cher là aussi. Allez, faut que je le bute en vitesse, lui. Voilà, niveau 24, nickel. Kill PGM, c'est kill PGM, c'est kill PGM. Voilà. Alors, attendez. Ah oui, je suis le meilleur, qu'est-ce que tu crois? Alors attendez, je vais vite faire voir ce que j'ai débloqué en compétences. Voilà, nouveau ici. Alors, voilà. Invoque une grenouille géante qui gobe les ennemis. Ajoute un temps de recharge de 5 secondes. Ouf, non. Je vais garder ma bonne vieille attaque. Ici, nouveau, sacrifice. Chaque chien zombie que vous sacrifiez a une chance de ressusciter. Pff, non, la flamme, moisson d'âme, c'est très très bien. Avec 6 fonds de points de vie. Hop, qu'est-ce qu'on a en plus? Vous pouvez avoir 4 chiens zombies invoqués à la fois. Les points de vos chiens zombies et du moins augmenter de 20%. Je prends ça ou pas? Non, mais c'est bon, je garde mes bonnes vieilles compétences passives qui me vont très très bien. Ouais, je pense que la vidéo se prend en plusieurs parties. Hein. C'est sans espoir. Ouais, ils sont tous morts ici. Oh merde, on se fait attaquer, non? Oh non. Je vais peut-être aussi organiser un live là avant la fin des vacances, ça j'ai oublié de le préciser. Et c'est bon à savoir aussi, bon je referai une autre vidéo pour vous prévenir, enfin voilà. Allez mourir. Oui là, il y a du monde. Oh oui, il y a du monde. Tiens, prends ça. Oh putain, je vais prendre cher moi ici, pas que je reste là. Viens mon zombie, viens m'aider. Ah, il se fait frapper lui aussi le pauvre. Ouais, il prend cher lui aussi. Oh oui, ouais, mais il y a un machin destructeur là, ou je sais pas quoi. Ah, mais lui il est un peu plus puissant que les autres. Mais il loot des meilleurs trucs. Bon, je suis qu'en mode normal hein, pour les quêtes. Hein. Bon, je pense que vous l'aurez tous remarqué, mais voilà. Je tiens à le préciser quand même. Voilà. Ah, bah c'est pas fini en fait. Crève. Là-bas, il y en a qui nous attaquent à distance en plus. Putain, je prends cher. Bon, en même temps, il y a beaucoup d'ennemis sur moi. Je suis excusé. Oh putain, ouais, bah, je prends encore plus cher. Ouh. Voilà, des points de vie. Bueno. Il y en a à l'infini des bestioles ou quoi? Il y en avait juste beaucoup en fait. Ah oui, mais il y a l'autre porte du démon là ou je sais pas quoi. J'ai encore l'intro de INK dans la tête. Allez, meurs, meurs. Dégage tout ce que je te demande. Allez, voilà, enfin voilà, je récupère un petit peu de vie et let's go, on va allumer le feu. Voilà, encore combien? Encore deux. Ah bah écoute, on va passer par ici.
On va ramasser la vie et les pièces d'or. J'ai combien de pièces d'or? 76 000, ouais, mais je les utilise jamais à part pour réparer mon armure, donc en même temps je m'en fous un petit peu. You ready for the game? Ah, de nouveau plein de zombies. Enfin, plein de... Ouais, j'ai encore l'habitude des zombies, parce que c'est vrai que le premier acte, ça se passe avec plein de zombies. Là, c'est des grognards. Tiens, ça me rappelle Halo, ça. Mes sacs sont pleins. Donc, je vide un petit peu mon sac. Tous les objets sans valeur, je les vire. Voilà, hop. Ça, je peux ramasser des trucs qui valent un peu plus. Ils se font défoncer, les gardes. Oh là là. J'espère que c'est... Ah ouais, bah, il en reste plus que deux. De toute manière, ça va bientôt se terminer, je pense. J'espère. Tiens, prends ça. Moi, j'ai des attaques puissantes, en fait. Hein. C'est sans espoir. Ah, putain. Ils se font bombarder la tronche. Quand il y a des gardes comme ça, faut se barrer parce qu'ils se font achever par des météorites. Allez, c'est parti. Ah, mon zombie, je surkiffe là, le gros machin. Voilà. Ah, bah, c'est juste là en face. Ça, c'est le troisième qu'on va activer. Comment on monte un spawn? Il y aura de nouveau l'autre grosse bestiole à battre là parce qu'il y a plein de démons, je sais pas quoi. Bon, hop, et on va leur faire peur. Donc, on va faire que des attaques comme ça. Ça, il va prendre cher. Plein de pluie d'acide là. Ah, j'ai plus de mana du coup. Bon, il fallait que je le voyais venir ça. Oh, mais ils arrivent par milliers ou quoi là? Je sais, je suis meilleur. Je suis un champion en même temps. J'ai la classe. On va continuer. Et on va essayer de finir la quête assez rapidement pour pas que j'ai trop d'upload. Essayer de se faire accepter sur la Play NPC. Au pire, si vraiment ça va pas, je coupe, hein, comme je l'ai dit, c'est pas très très grave. Je sais même pas s'il faut monter comme je fais. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? La bébête d'avant. Yeah. Allez, meurs là, tu mets trop de temps à crever, allez. Voilà, je te bombarde de pluie d'acide, tu vas voir. Tu vois. C'est des sorts puissants, mais qui me bouffent énormément de mana comparé aux autres sorts. La touche 3, là, c'est toujours des sorts puissants que j'ai là-dessus. Là, c'est bien, ça. Et encore, je sais pas d'où ils viennent. Donc, n'oubliez pas hein, que j'ai quand même parlé de pas mal de trucs. Hein. Donc, déjà, la petite conversation Skype que je vais faire pour Daisy. Un prochain live qui se fera sur je sais pas quel jeu, hein, peut-être du Daisy pourquoi pas, ou autre chose, ou même plusieurs jeux hein, d'ailleurs. On verra ça un peu plus tard, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de live. Oh punaise, je prends cher, on m'a déjà posé la question. Cours ! Je vais mieux. Ouais, je vais mieux. J'ai récupéré de la vie, je sais pas où, mais... Ah oui, là par terre, c'est vrai qu'il y a de la vie qui tombe. Forme de bannière, récompense. C'est quoi ? Ah, de l'huile bouillante, ah, énorme. C'est quoi cette bestiole là? Oh là là. Oh putain. Mourez. Allez, prends ça, bordel. Ah voilà, j'ai eu peur, j'arrivais plus à appuyer sur ma touche, j'ai appuyé sur la mauvaise comme un débile profond. Cours. Ah là, là, on va l'emmener ici. Tiens, bouffe ça dans ta gueule. Ouais, bah nickel. Mais par contre, il me manque mon templier, là. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le laisser à l'abandon, je sais pas où. Je crois que j'allais le chercher après. Il y aura sûrement un putain de boss à battre, ça je le sens. Bah ouais.
Voilà, une potion de vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est par où qu'il faut passer? Je suppose que c'est par là. Ouais, c'est par là. Voilà. Allez, on continue, là, c'est la fin, c'est la fin. Courage, courage, courage. Une grosse bébête à buter de nouveau, comme d'hab. J'ai l'habitude. Allez, meurs, grosse bébête. Meurs, meurs, meurs. Voilà, bah, ça a été vite. Voilà, on appelle les gardes. Ah, bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, bah, on arrive à la fin. Je vais bientôt vous laisser. Je vais même vous laisser tout de suite trouver le sergent d'Allen. Bonjour, sergent. Et bien voilà les amis, j'ai terminé une quête en votre compagnie. Moi je vais continuer à jouer un petit peu tout seul, je vais arrêter la vidéo ici, il faut que je lance le rendu d'ailleurs. N'oubliez pas les infos de la vidéo et puis moi bah, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter la vidéo pour me dire si vous avez aimé et puis un petit peu me parler tout simplement. Non voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos sur Diablo 3, il y en aura sûrement parce que j'adore ce jeu. Je remercie la PlayOnPC, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde.